Et puis après, c'est à moi que je fais attention, à ma sécurité, à moi. Il y a des fois où je pense, quand on est fatigué, on a une nuit pénible, ou des mecs qui vous ont menacé de mort, on pense à ça, on se dit pourquoi le mec il serait pas capable de venir me planter chez moi, quoi. Donc je peux y penser, à me dire ouais, s'il y a un mec qui me détronche, je vais passer un sale quart d'heure. Et il y a des fois où ouais, je flippe vraiment. Déjà, du moment où je coupe le contact, je regarde à droite, à gauche. J'écoute aussi, parce que les bruits, c'est important. Je vais aller doucement dans mes déplacements. Je vais pas courir ou quoi, parce que si on court et qu'on se précipite, le rythme cardiaque s'accélère, donc on n'a pas l'ouïe vraiment dégagée. Donc le pire, c'est que je flippe, mais que je prends mon temps. Et ça me paraît long. Quand j'ai la boule au ventre et que je rentre, ouais, ça me paraît long. Mais je suis flic, alors je gère ma peur. Mais je suis pas sereine. Et ce petit sentiment, il est chiant.